Tu vas pas le croire. Mais avant qu'on attaque Mackay au port, j'ai reçu une demande spéciale de Clara. Et elle a pas tort. Je m'attendais pas à ça. On a l'opportunité de frapper encore plus fort. Si on détruit les réserves de pétrole de Castillo à LST, les soldats stationnés sur l'île seront à sec. Faut avouer que c'est tentant. Détruis les grandes cuves rouges de la Roya. Nos guerriers t'aideront. Je leur ai envoyé des photos des cibles. Merci, camarade. Danny, on a des gars qui tirent sur les cuves, pas loin de toi. Bien compris. Prends un véhicule. À Yara, personne se déplace à pied. Voilà pour toi, camarade. Merci. Ça marche.
encore prévenu. Mierda. Mátelo. ¡Oh! ¡Palo, pito! ¡Ah!
Vol ! Vilain ! Une dernière chance contre lui, Monsieur Castillo, ok? Écoute, les temps sont durs dans ce pays. Il n'y fait pas bon vivre. La mort est partout. Les gens souffrent. Ils ont pas. C'est tout juste s'ils arrivent à survivre. Mais on pourrait changer tout ça, tu sais. T'es en train de lire un discours de Castillo? Non, je suis sérieux. Mes arrière-grands-parents en ont bavé. Ils ont quitté leur terre natale pour faire quelque chose de leur vie. Puis ils ont légué leur fortune à la génération suivante, mes parents. Qui l'ont fait fructifier jusqu'à ce qu'elle me revienne. En gros, tu veux que je foute le camp. J'avoue que ça résoudrait mes problèmes immédiats, mais non. Tu peux rester à Yara, mais Castillo veut du changement. Vraiment, je lui parle tous les jours. Il veut la même chose que toi. Pourquoi nager à contre-courant quand on peut se laisser porter? Donc je devrais accepter les arrestations? Le système de paria? Les exécutions? Chaque société moderne dans l'histoire a eu ses périodes sombres. La seule différence, c'est que maintenant les gens filment et diffusent tout pour que le monde entier s'insurge. Même chez moi, au Canada, il suffit de voir ce qu'ils ont fait aux autochtones. Sans parler de l'exploitation pétrolière, mais bon, personne n'est parfait. Garde tes discours à la con. Tu n'es qu'un putain d'envahisseur. Continue de jouer les caïds. On verra bien où ça te mènera dans deux générations. Pense à ce que je t'ai dit. C'est l'heure pour lui de payer pour tout ce qu'il nous a fait. Et Castillo ne régnera plus sur LST. Les esprits. Come on!
T'as commandé ça? Bon choix. Hey Mackay, t'es au port? Tout juste, mon trésor. À la cour de ma chambre forte, du Made in Russia, totalement impénétrable. J'attends tranquillement les renforts de Castillo. Cool. Ça t'embête si je passe te dire bonjour? Écoute, pochette surprise, s'il y a personne avec toi, viens et parlons calmement. Je serai désarmé. Eh ben, pas moi.
fils de pute est à moi. Les gars, l'heure est grave. Si vous ne résistez pas à ces guerriers en hausse, vous allez perdre. Alors bougez-vous et battez-vous pour Castillo. Danny, j'ignore comment procède Libertad, mais la morale ne fait pas de prisonniers. Encore moins des ordures comme McKay. Compris? Compris. Surprise. Bon, écoute, je suis en retard, là, donc... Merde. Yelena, McKay était pas là. Ce bureau, c'était un putain de piège. Cognor, l'info venait d'une crevure de traître. Si je sais une chose sur les envahisseurs, c'est qu'ils n'ont qu'une idée en tête en cas de défaite. McKay est forcément sur l'un de ces bateaux. T'as raison, Lucky. Yelena, si Yankee était à bord, c'est un homme mort. Malheureusement, il est sur le bateau le plus éloigné. On est sûr cette fois? Je tiens l'info d'une des sources de Gilberto. Elle est à bord, et l'a vue de ses propres yeux. Je m'en occupe. Gilberto va se joindre à la conversation. Qu'est-ce que t'en prie, Danny? Regarde! Voilà les bâtards! Honneur, les gars. Maintenant, excusez-moi, mais on a des choses à dire.
C'est bon, Ruan. Pochette surprise est là. Danny, la situation a évolué. J'ai pas envie d'entendre ça, Ruan. Ouais, ouais. C'est qu'un furon sur le cul d'un castor. Bon. On s'est mis d'accord, n'empêche. Mackay propose de filer un paquet de pognon si on le laisse partir. Je te parle de vrai dinero, Danny. Clara n'acceptera jamais. Je m'occupe de Clara. Toi et moi, on sait que la vraie guerre commencera à la mort de Castillo. Et on pourra pas gagner sans argent, crois-moi. On s'en sort vachement bien avec des balles. Tu le laisses tranquille et tu retournes au port. Je suis en train d'y aller. Il est temps de faire la fête. On a gagné. Vas-y, pochette surprise. Va rejoindre la fiesta sur le continent. Je suis sûr qu'ils t'accueilleront à bras ouverts avec une pinata. Je réfléchis. Comme disait ma grand-mère, tout ce... L'esté à tout jamais, Danny. Yelena, tu veux me faire croire que Mackay s'est juste évaporé ? Libertad te mérite. Faites du bruit pour Danny ! Tu devrais dire un truc. J'ai déjà fait assez de discours. Alors je crois que c'est le moment pour moi ton de dire qu'il est passé, Lorenzo. Hmm? Lucky ? Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment chanceuse. Quand je regarde dans les yeux de votre génération, je vois le même feu, la même passion, le même espoir que ceux qui m'animaient. En nous unissant, nous avons une chance de changer les choses pour de bon. C'est à vous de jouer. Que cette guerre soit la dernière de notre histoire. La morale. Les légendes de 67. Bienvenue à LST, Clara. Bienvenue chez Libertad. Merci, mais non. La morale s'en sort bien seule. Oh, vraiment? On aidera à tuer Castillo, mais on gardera aussi un œil sur Libertad. Tu veux que je fasse confiance à ce vieux croulant pour réparer Yara? Non. On se bat. On ne tue personne. Tout à fait, mon genre. J'aurais pas dit mieux. On se voit à Esperanza. Ouh. Allez. Je sais que beaucoup parlent encore de la révolution de 67 comme si c'était un rêve. Que ces infâmes meurtriers passent pour des héros. Sachez-le, ils détruiront votre avenir comme ils l'ont fait pour mon père. Quand je regarde dans vos yeux, je vois des lions. Libertad, la morale... Les assassins de 67, des mensonges! La vérité, un mot les qualifie tous, terroristes! J'ai comme projet de reconstruire le paradis. Hélas, ces terroristes ont fait en sorte que le sang des nôtres soit le prix du paradis. Éliminons les révolutions pour de bon. Assurons la victoire de tous les lions. Cogno, j'aurais aimé que vous soyez là. Elle est où, la fiesta? C'est parti.
retirer. Mais je soutiens ta décision. Merci, Clara. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Tu as infligé un coup dur au régime. Mais on ne peut pas marcher sur Esperanza sans les Monteros et les Maximas Matanzas. On doit présenter un front uni pour libérer Yara et se débarrasser d'Anton. Viva Libertad.